Avant de commencer ce tuto, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, mais aussi à activer la cloche pour recevoir une notification dès la sortie des prochaines vidéos. N'oubliez pas que la chaîne a besoin de vous, alors n'hésitez pas, si vous le pouvez, à nous soutenir en cliquant sur le lien donation dans la description de cette vidéo. Merci à toutes et tous par avance. Bonjour à toutes et tous, un petit tuto rapide pour vous parler d'un raccourci que j'estime lui aussi essentiel dans bien des cas. Imaginons le scénario suivant. Imaginons que vous ayez lancé un bounce et qu'au dernier moment, vous vous soyez rendu compte que finalement, vous auriez dû désactiver un plug ou ajouter une autre piste à votre bounce, par exemple. En temps normal, vous auriez arrêté votre bounce à la sauvage, entre guillemets, ce qui dans l'absolu n'est jamais une bonne chose. Il faut dire que travailler à l'arrache, c'est vraiment pas top. Heureusement, il existe un raccourci plutôt efficace pour mettre un terme à un bounce, et il s'agit du raccourci commande shift plus point. On va faire un petit test. Ici, je vais lancer un bounce, je valide. Ici, j'utilise mon raccourci commande shift plus point. Mon processus est immédiatement arrêté, ce qui m'évitera peut-être bien des désagréments si j'avais utilisé une autre méthode un peu plus exotique. Évidemment, et cerise sur le gâteau, ce raccourci fonctionne également pour un export ou un freeze. Donc n'hésitez pas à en user et abuser, plutôt que de sortir à l'arrache de Logic avec les conséquences potentielles à la clé que ça pourrait avoir.